C'est vrai qu'effectivement, la Mongolie, ça reste principalement associé à cette image de yourte, de nomade qui pâture à d'autres chevaux. Ça reste un élément structurant quand même de la société mongole. C'est pas juste une image d'Épinal qui viendrait finalement égayer un petit peu le parcours des touristes dans le cadre de ce beau pays. Ça reste un élément qui est très important à plusieurs titres. Premièrement, au niveau de ce que ça représente au niveau de l'emploi, on estime qu'il y a environ un peu moins d'un tiers de la population qui continue à vivre du pastoralisme nomade. C'est un élément aussi qui est très important dans les périodes de crise, parce que on voit beaucoup d'allers-retours finalement entre la capitale et les campagnes, dans des périodes de crise économique où les gens ont tendance à repartir à la campagne pour élever des troupeaux et tenter de s'en sortir et de passer la crise, pour ensuite aller rechercher des emplois qui sont plus rémunérateurs en ville. Donc, de ce point de vue économique, ça reste quand même quelque chose de très important. Sur le plan identitaire, ça l'est également, puisque la Mongolie est sortie au tournant des années 90 d'une période qui a été marquée par le socialisme. Et la particularité de cette période socialiste, ça a été de construire une image de la modernité qui était principalement axée autour d'une modernité industrielle, de la figure de l'ouvrier, avec une forme de remise en cause de tout le passé un petit peu féodal de la Mongolie, puisqu'il était qualifié comme tel, considéré comme un petit peu archaïque, comme ayant conduit à l'effondrement national de la Mongolie. Dans ce cadre-là, le nomadisme était vraiment perçu, ou en tout cas présenté, comme un élément de quasi-arriération. On avait tendance plutôt à nier son héritage, à cacher un petit peu toute la tradition qu'il pouvait y avoir derrière. Et la révolution démocratique de l'hiver 89-90 a permis de lever un petit peu le couvercle sur cette tradition qui perdurait et de, en quelque sorte, de redécouvrir finalement cette tradition et ce marquage identitaire particulièrement prégnant. Et c'est vrai que ça reste quand même, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que dans toutes les familles mongoles, il y a toujours un éleveur, quelqu'un qui a des troupeaux à la campagne. Donc ça continue d'irriguer, même au niveau de la culture, de manière assez profonde finalement toute la vie locale. Ça a des conséquences, je dirais même, sur la vie politique. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard, puisqu'il y a quand même des spécificités d'organisation au niveau de l'aménagement du territoire, etc., qui font que ça se traduit par un modèle politique un petit peu particulier. Et puis un autre élément qui est quand même essentiel aussi, c'est la Mongolie a un territoire qui est extrêmement vaste. Hein. On estime que c'est environ 3 fois la superficie du territoire français, pour donner une image un petit peu des échelles. Et le fait d'avoir cette population qui continue à vivre du nomadisme pastoral, c'est aussi un élément décisif au niveau de l'aménagement du territoire, de son occupation. Ça permet d'avoir des gens un petit peu partout sur le territoire. Et donc ça joue encore un rôle extrêmement structurant dans la société mongole. C'est une question très intéressante parce qu'on a souvent tendance à opposer en quelque sorte une Mongolie socialiste passéiste, un petit peu autoritaire, ancrée sous la tutelle finalement de l'Union soviétique, à une Mongolie qui serait brillante, démocratique, libérale, moderne, etc. Et cette dichotomie finalement, elle cache un petit peu toutes les éléments de continuité qu'il peut y avoir, la dépendance au sentier, parfois, qui est un concept qu'on utilise pour présenter justement ces éléments de continuité. Et dans le cas du socialisme, il y a plusieurs éléments qui sont à prendre en considération et qui continuent à irriguer finalement la Mongolie contemporaine. La première, c'est la question de l'indépendance nationale finalement. Parce que la Mongolie a conquis son indépendance à l'égard de la Chine. Il y a eu tout cet épisode un petit peu où la Mongolie a construit le plus vaste empire terrestre jamais constitué sous le commandement de Genghis Khan. Et puis ensuite, il y a eu un effondrement progressif et la Mongolie s'est retrouvée partie prenante de l'empire chinois. Et donc, il y a eu une révolution nationale qui s'est faite au début du XXe siècle, en 1911, puis en 1921, qui a conduit la Mongolie à être le deuxième pays au monde à adopter un système de développement de type socialiste. Et l'héritage du socialisme aussi, c'est cet attachement à l'indépendance et à la souveraineté, entre guillemets, puisque c'est grâce à l'aide de l'Union soviétique, c'est grâce notamment aux forces de l'armée rouge, que les autorités mongoles ont pu se préserver des velléités irrédentistes chinoises, et puis qu'elles ont pu également peser sur la scène internationale pour voir leur indépendance
reconnu par l'ensemble des acteurs de la scène internationale. Le deuxième aspect, il est économique et est lié au développement, puisque les autorités socialistes mongoles, avec l'aide des autorités soviétiques, ont mis en place un vaste programme de développement économique qui a permis, entre guillemets, de faire rentrer le pays dans la modernité. On a développé des infrastructures, on a développé des centres urbains aussi pour l'aménagement du territoire, on a développé des systèmes énergétiques, des centrales énergétiques, etc., pour vraiment permettre à la Mongolie de se doter, en fait, des bases d'une structure industrielle. C'est aussi à cette époque-là qu'on a commencé à développer en tout cas, à accélérer la valorisation du potentiel minier mongol, qui est très important, et qui a fait basculer, entre guillemets, la Mongolie d'un pays qui était essentiellement rural à un pays un petit peu plus urbain, avec une structure et un tissu industriel qui permettait à son économie de vivre. Alors, effectivement, elle était encore très dépendante de l'Union soviétique, mais les bases, en tout cas, de cette modernité étaient posées. Un troisième élément, c'est lié à cette modernité, mais à la vision qu'ont les Mongols de la modernité, parce que la Mongolie est le deuxième pays au monde à avoir adopté un mode de développement de type socialiste, après l'Union soviétique, dès 1924. Et le modèle de développement économique, en tout cas les autorités soviétiques, ont fait de la Mongolie une forme de laboratoire, hein, de leur système de développement, et ont tenté finalement de présenter la Mongolie comme un modèle. C'est-à-dire, vous retrouvez notamment dans des archives, au moment de l'intervention par exemple en Afghanistan, une volonté des autorités soviétiques de faire de l'Afghanistan une deuxième Mongolie, ce qui témoignait un petit peu des réussites finalement du programme, du processus de développement mongol à l'époque. Et c'est un élément qui est très important parce que il y a eu un changement de statut en quelque sorte heurté un petit peu la fierté nationale, c'est que pendant toute cette période socialiste, la Mongolie était vraiment présentée comme un modèle, comme un exemple, comme un pays développé au sein de la sphère soviétique. Pareil, il y avait beaucoup d'échanges avec les pays africains pour faire valoir justement les réussites du développement mongol, etc. Et le processus de transition vers l'économie de marché, vers la démocratie, qui a pris place au tournant des années 90, a été marqué par un changement de statut. La Mongolie est passée du statut de pays développé, modèle, entre guillemets, à celui de pays en développement, avec des contraintes et des enjeux de développement particulièrement forts, tant sur la diversification de sa structure économique que sur l'élimination de la pauvreté, que sur tous ces aspects-là qui sont très importants. Donc c'est ces trois aspects finalement qui sont liés au socialisme et dont on trouve beaucoup de résonance encore aujourd'hui, à la fois sur la conception de la modernité, sur la manière aussi dont se structure un petit peu le débat politique local en Mongolie, avec d'un côté des gens qui se sont construits contre ce modèle, tous les partisans finalement des mouvements démocrates qui ont rejeté le rôle de l'État un petit peu dans le développement économique, qui ont prôné au contraire le développement d'une économie de marché quasi pure, entre guillemets, et puis d'autres qui ont fait valoir finalement les réussites de ce mode de développement, qui entretiennent une forme de nostalgie à l'égard de ce passé. Donc on voit bien qu'il y a une structuration à la fois des mémoires et puis en même temps de la conception de la modernité, donc toute une forme de filiation, plus un autre aspect qui est très important, c'est la construction d'une structure bureaucratique dont la Mongolie était dépourvue, hein, jusqu'au début du XXe siècle. En tout cas, l'épisode socialiste a permis de poser les bases de cette structure bureaucratique qui a piloté l'aménagement du territoire et qui continue encore de piloter un petit peu le processus de développement, même s'il y a toute une problématique autour de la faiblesse de l'État qui reste à résoudre. Alors le secteur minier est un secteur qui distingue finalement la Mongolie, hein, dans le paysage contemporain. Il y a énormément de ressources minières sur le territoire mongol. Vous trouvez un petit peu de tout, du charbon, de l'uranium, du cuivre, du tungstène, du pétrole, des terres rares, etc. Donc on parle vraiment de coffre-fort géologique. L'autre particularité du sous-sol mongol, c'est le fait que les ressources ont finalement été assez peu exploitées pendant la période socialiste, puisque les autorités soviétiques préféraient exploiter les mines présentes sur leur territoire national. Ce qui fait que la plupart des ressources qui sont présentes sur le territoire mongol sont encore très abondantes et en général faciles d'accès, donc économiquement assez rentables.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats, il y a notamment des expressions qui fleurissent pour parler de Mingolie et puis de Mongolie. Il y a un chiffre qui peut être trompeur, parce que quand on regarde le poids de l'industrie minière dans le PIB, on est un peu plus de 30%, aux alentours peut-être de 40%, donc on pourrait se dire que c'est peut-être pas si important que ça, mais en réalité c'est extrêmement structurant, parce que, et on est vraiment sur l'élément organisateur central de toute la vie économique du pays, voire de la vie politique, puisque l'essentiel des exportations mongoles sont des exportations de matières premières, aux alentours de 90%. L'essentiel des investissements étrangers qui sont réalisés dans le pays le sont pour valoriser ce potentiel minier mongol. Et ça a plusieurs conséquences, parce que ça se traduit notamment par une situation de dépendance à l'égard de ces investisseurs étrangers, également une situation de dépendance à l'égard du client final qui est la Chine. Et puis ça nourrit aussi tout un tas de rêves finalement de développement, puisque quelque part, toutes ces ressources, c'est aussi des milliards de dollars qui sont présentes sous les pieds des Mongols, et qui posent la question de la manière dont ils vont être en mesure de les valoriser et de s'assurer que la richesse qui est présente sous leurs pieds va bien permettre de financer un processus de développement, par exemple, ou être redistribué à la population. Donc on est vraiment sur un secteur qui est cardinal, puisque à la fois il va complètement structurer l'économie nationale, et puis également structurer les aspirations et les débats politiques. Et il y a toute une hésitation finalement au sein de la politique mongole qui est assez intéressante à analyser, puisque au départ, le secteur minier, ça a été présenté un petit peu comme la bouée de sauvetage de l'économie mongole pendant la transition. C'est-à-dire qu'après, il y a eu cette révolution démocratique et la Mongolie est sortie de toutes les sphères d'économie d'amitié, des liens de économique qui pouvait exister avec les anciens pays de l'Est, et son économie s'est littéralement effondrée puisqu'il n'y avait plus de marché de débouchés, l'industrie mongole n'était pas compétitive sur les marchés internationaux, et l'ensemble en fait du tissu industriel s'est effondré. Et à partir de là, les autorités mongoles se sont dit quel est l'avantage compétitif qu'il est possible de valoriser pour sortir de cette période de crise et de ce marasme économique, et effectivement les ressources minières ont fait office de promesse d'Eldorado. Il y a eu toute une politique d'attraction des investisseurs étrangers qui a été mise en place, avec des taux d'imposition qui étaient extrêmement favorables, des taxes sur les investissements qui étaient très faibles, la volonté d'imposer une stabilité vraiment des règles fiscales et réglementaires pour faciliter, en tout cas accroître l'attrait de la Mongolie pour les investisseurs. Et puis rapidement, ça a nourri une forme de mécontentement social, puisque les Mongols ont eu le sentiment finalement que leurs ressources étaient pillées par des investisseurs étrangers qui venaient investir sur le territoire national, récupérer les ressources et qui payaient peut-être dans le meilleur des cas un petit peu d'impôts, mais pas énormément. Et il y a eu toute une évolution et toute une réflexion des autorités mongoles sur la manière d'amender le cadre réglementaire pour s'assurer à la fois d'une capacité de contrôle de l'État, parce que c'est un élément important pour éviter que les investisseurs étrangers fassent n'importe quoi, et puis également pour maximiser en fait la partie de la rente qui pouvait revenir en fait aux autorités mongoles. Donc il y a eu tout un tas de débats autour de cette problématique. Les choses sont un petit peu stabilisées depuis le milieu des années 2010, où on a un cadre réglementaire qui est un petit peu plus stable, où on a trouvé, en tout cas les autorités mongoles ont trouvé un équilibre entre interventionnisme et approche plutôt libérale. La grande question qui se pose aujourd'hui, c'est celle de la valorisation finalement de ces ressources dans le cadre d'un processus de développement. Parce que c'est bien beau finalement d'être capable d'extraire une partie de l'argent généré par le secteur minier, encore faut-il que les investissements soient rentables, que ça serve une politique de développement qui soit ambitieuse. Et là, il y a encore beaucoup d'hésitation de la part des autorités mongoles, qui oscillent tantôt entre une approche qui serait sur la diversification de l'économie nationale, ou plutôt sur le développement d'une industrie lourde qui serait une industrie de transformation en fait des matières premières extraites sur le sol national. Donc on voit bien qu'il y a encore toutes ces tensions qui sont loin d'être réglées et qui structurent aussi le jeu politique. Outre le fait que on a parlé du caractère structurant hein, de ce secteur minier sur la vie économique locale, on voit aussi qu'il y a tout un tas de grandes entreprises mongoles qui se sont développées autour de ce secteur et qui sont très dépendantes en fait de la vitalité de ce secteur. Et ces conglomérats aussi sont liés à des partis politiques qui viennent ensuite nourrir toute une controverse sur la manière
d'exploiter ses ressources, quelle place laisser aux investisseurs étrangers, quelle place laisser aux industries de transformation, comment s'assurer également de la préservation finalement de l'environnement et de l'héritage mongol, parce qu'il y a toute une contradiction finalement intrinsèque entre les croyances originelles des Mongols, le mode de vie qui est lié au pastoralisme nomade, et puis cette industrie minière qui vient creuser les pâturages, qui vient perturber les esprits du sol et des eaux, qui vient mettre à mal un petit peu les sentiers, ou en tout cas les chemins de pastoraux, etc. Donc on voit qu'il y a vraiment, c'est un secteur qui concentre tout un tas d'espoirs, mais aussi beaucoup de tensions qui restent encore à régler. C'est une question qui est fascinante parce que la Mongolie, ça reste un petit pays. Quand on dit petit pays, il faut mettre des guillemets, mais parce qu'effectivement, le territoire est vaste comme 3 fois la France, mais en même temps, il y a seulement un peu plus de 3 millions d'habitants. Et on se retrouve avec un territoire extrêmement vaste, assez peu peuplé, et deux voisins assez puissants, de puissance nucléaire, que sont la Chine et la Russie, avec des populations beaucoup plus importantes qui se font face, et une situation d'enclavement qui est particulièrement difficile à gérer. Et dans ce cadre-là, il convient de revenir finalement à l'équation sécuritaire que doivent résoudre les autorités mongoles, puisque on l'a déjà un petit peu évoqué, mais la conquête de l'indépendance a été un processus long et relativement douloureux pour les Mongols, qui ont bien conscience finalement de la fragilité de leur situation géographique et politique. Pendant toute la période socialiste, le choix qui a été fait par les autorités mongoles, ça a été celui de l'alignement sur la puissance soviétique. Il y a eu tout ce conflit entre l'Union soviétique et la Chine, et les autorités mongoles, après avoir tenté, dans un premier temps, de jouer un géant contre l'autre, ont finalement fait le choix de s'aligner totalement sur l'Union soviétique, qui leur avait permis de conquérir cette indépendance et dont ils voyaient une forme de garant de leur sécurité, de leur souveraineté vis-à-vis d'une Chine qui a jamais vraiment renoncé à ses volontés irrédentistes, même si c'est le cas maintenant, mais en tout cas il y a toujours cette peur dans l'état d'esprit des Mongols. Et donc toute la sécurité mongole était assurée par les forces soviétiques. Il y avait tout un tas de soldats soviétiques qui étaient présents sur le territoire mongol et qui étaient les garants finalement de cette sécurité. L'équation telle qu'elle est présentée ici, elle va être bouleversée par la révolution démocratique de 90 parce que les forces soviétiques vont se retirer du territoire mongol et les autorités mongoles vont être confrontées à la nécessité de préserver leur indépendance mais de manière autonome finalement et de préserver leur souveraineté alors qu'ils n'ont pas vraiment de moyens, l'armée mongole n'a pas les moyens de s'opposer, par exemple, à l'armée chinoise, etc. Donc ils vont développer une stratégie qui va être particulièrement ingénieuse et qui témoigne un petit peu de la créativité diplomatique de ces petits pays, finalement, qui cherchent à exister sur la scène internationale. Il y a plusieurs volets dans cette stratégie mongole. Le premier volet, c'est le maintien de bonnes relations avec les voisins russes et chinois. Parce que le calcul qui est fait, c'est que sans ces bonnes relations, s'il y a des relations qui peuvent être conflictuelles, rien ne va pouvoir être fait. Donc ils s'attachent vraiment à négocier, à entretenir ces bonnes relations avec Pékin et Moscou, en veillant également à un équilibre de ces relations. Parce qu'il ne s'agirait pas qu'il y ait une relation déséquilibrée qui voit le jour entre ces deux acteurs. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est également une volonté de diversifier les partenariats extérieurs de la Mongolie. Et ils ont retiré finalement l'expression de troisième voisin qui a été inventée à l'origine par le secrétaire d'État américain James Baker qui s'était rendu en visite en Mongolie au début des années 90. Et l'idée c'est de se dire, il y a deux voisins géographiques qui font la situation d'enclavement, hein, qui sont la Chine et la Russie, qui peuvent être parfois sympathiques mais aussi parfois un petit peu moins sympathiques. Et le parti pris des autorités mongoles c'est d'aller négocier des relations ou des partenariats qui sont privilégiés avec ce qu'ils appellent des troisièmes voisins. Et le troisième voisin, c'est un concept un petit peu qui est non géographique mais politique, et qui consiste pour les autorités mongoles à essayer de développer des relations privilégiées sur le plan politique, sur le plan stratégique, et puis également sur le plan économique, avec des démocraties développées qui vont être susceptibles de venir appuyer l'exception démocratique mongole, puisque la Mongolie, en tant que démocratie, fait vraiment figure d'exception dans cet environnement géographique. Alors parmi les troisièmes voisins, le premier, en tout cas le troisième voisin historique, c'est les États-Unis, qui ont un petit peu fondé le concept et puis qui ont nourri tout un tas d'ambitions
chez les autorités mongoles, mais le troisième voisin avec lesquels les relations sont les plus développées, ça reste le Japon, pour lequel il y a eu la négociation d'un accord de partenariat stratégique qui a permis un petit peu de poser le cadre de la relation bilatérale. Et il y a surtout en fait un accord de partenariat économique auquel est adossé le partenariat stratégique, qui vise à donner du corps finalement à cette relation et à sortir un petit peu des grandes déclarations d'intention sur les valeurs partagées, la démocratie, etc., mais à essayer d'accompagner un petit peu la diversification des partenaires économiques de la Mongolie. Donc ça, c'est pour le deuxième plan. Parmi les troisièmes voisins, il faut aussi mentionner les pays européens, notamment la France, l'Union européenne également, qui est considérée comme un troisième voisin, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Un troisième pilier également, c'est dans la stratégie internationale de la Mongolie, c'est son implication majeure en fait dans les organisations internationales. Et cet engagement, il est finalement assez contre-intuitif parce qu'on pourrait se dire que il n'y a pas forcément d'intérêt à dépenser autant d'énergie dans les organisations internationales, mais c'est vraiment vu par les autorités mongoles comme une reconnaissance finalement de la communauté internationale, de sa souveraineté et de son indépendance. Et en s'impliquant dans ce type d'organisation, c'est un moyen aussi de faire valoir eh bien, la réalité de la souveraineté mongole, d'apporter une part aussi à la vie internationale, à la paix et à la stabilité internationale, et de contribuer justement à être connu comme un acteur à part entière de cette scène internationale. Il y a un aspect aussi qu'il faut souligner, parce qu'il témoigne aussi de cette volonté de contribuer à la paix et à la sécurité, c'est les relations un petit peu particulières qu'entretient la Mongolie avec la Corée du Nord, qui sont le fruit d'un héritage historique et de relations approfondies développées pendant la période socialiste. Mais le fait que les autorités mongoles aient conservé de bonnes relations avec les autorités nord-coréennes, ça leur permet de jouer un rôle, certes modeste, mais réel tout de même, dans la résolution finalement de la crise coréenne, en étant un partenaire pour faciliter le dialogue, en facilitant les échanges entre les protagonismes de la région. Et c'est aussi une manière pour les autorités mongoles d'exister sur cette scène internationale, et de témoigner aussi de leur utilité et de leur capacité à apporter une contribution qui est très concrète à la paix et à la stabilité internationale. Ça s'inscrit un petit peu dans la même philosophie que la contribution des autorités mongoles aux opérations de maintien de la paix, puisque les forces armées mongoles sont très engagées dans ce type d'opération. C'est vraiment une volonté de témoigner de l'engagement des autorités mongoles pour la paix et la sécurité internationale. La réalité de la souveraineté mongole, d'apporter une part aussi à la vie internationale, à la paix et à la stabilité internationale, et de contribuer justement à être connu comme un acteur à part entière de cette scène internationale. Il y a un aspect aussi qu'il faut souligner, parce qu'il témoigne aussi de cette volonté de contribuer à la paix et à la sécurité, c'est les relations un petit peu particulières qu'entretient la Mongolie avec la Corée du Nord, qui sont le fruit d'un héritage historique et de relations approfondies développées pendant la période socialiste. Mais le fait que les autorités mongoles aient conservé de bonnes relations avec les autorités nord-coréennes, ça leur permet de jouer un rôle, certes modeste, mais réel tout de même, dans la résolution finalement de la crise coréenne, en étant un partenaire pour faciliter le dialogue, en facilitant les échanges entre les protagonismes de la région. Et c'est aussi une manière pour les autorités mongoles d'exister sur cette scène internationale, et de témoigner aussi de leur utilité et de leur capacité à apporter une contribution qui est très concrète à la paix et à la stabilité internationale. Ça s'inscrit un petit peu dans la même philosophie que la contribution des autorités mongoles aux opérations de maintien de la paix, puisque les forces armées mongoles sont très engagées dans ce type d'opération. C'est vraiment une volonté de témoigner de l'engagement des autorités mongoles pour la paix et la sécurité internationale. L'état rhizomatique, finalement, c'est un concept que j'ai développé pour essayer de rendre compte un petit peu des spécificités de la vie politique locale. Parce que lorsque j'ai abordé la Mongolie, je me suis posé la question de quel modèle en fait permettait de comprendre la situation locale. J'ai aussi regardé en fait du côté des modèles de développement qui pouvaient voir le jour, notamment en Asie du Nord-Est. On parle d'état développementaliste, etc. Et on se rend compte finalement assez rapidement que ces modèles collent pas sur le cas mongol. Je suis allé voir aussi du côté des modèles de développement ou d'analyse de l'état qu'ont pu être élaborés pour les pays en Amérique latine, puisqu'il y a des trajectoires un petit peu parallèles, à la fois une indépendance qui est relativement neuve, une richesse en matières premières, etc. Et là encore, on se rendait compte qu'il y avait des éléments qui collaient pas. Ensuite, je me suis intéressé aussi
à la manière, à tous ces concepts qui ont vu le jour pour essayer de qualifier le régime politique un petit peu des États nomades. Alors on parle parfois d'États sans tête, on parle de communautés politiques régionales, on parle de horde au sens, en tant que concept politique pour témoigner de cette organisation. Et il me semblait que là, il y avait quand même un élément de continuité finalement, qui n'est pas forcément évident à première vue, mais il y a une forme d'horizontalité en fait dans la relation de pouvoir. Je me suis dit qu'à partir de là, peut-être qu'il fallait revenir à aux travaux qui ont été menés pour comprendre ce type d'organisation politique, pour essayer de penser l'État mongol, et de sortir finalement d'une vision un petit peu européano-centrée, héritée de Max Weber, de la bureaucratie. Je suis retourné voir aussi dans les travaux de Gilles Deleuze et de Félix Guattari, qui ont toute une réflexion sur l'organisation en fait sociale des Mongols comme machine de guerre, et donc ils font toute une analyse de la machine de guerre mongole, de la manière dont était organisé l'empire, etc. Et ça joue un rôle déterminant en fait dans l'élaboration du concept de rhizome en fait, qui est en fait une forme de structure très horizontale à base de coordination, avec une absence de relation verticale. Et c'est vrai que c'est assez contre-intuitif parce que à la base, c'est présenté comme un modèle qui est opposé à l'État, à sa structure bureaucratique. Il le présente même comme il y a cette opposition finalement système social des nomades contre système social, on va dire, urbain en tout cas, bureaucratique. Et je me suis dit, dans le concept de rhizome, il y a cette horizontalité, mais il y a aussi cette notion de milieu, à partir duquel l'ensemble des relations se développe, vous avez des branches qui divergent, etc. Et en regardant même la composition de l'administration en Mongolie, en regardant la manière dont les partis politiques aussi investissent la structure bureaucratique, le fonctionnement du spoil system, hein, le système des dépouilles après les élections, etc. Finalement, on se rend compte que l'État, il n'y a pas un État bureaucratique rationnel qui assurerait une forme de continuité de l'État en Mongolie. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une forte variabilité. Alors, c'est pas vrai sur tous les secteurs, parce que on regarde sur certains secteurs, type, je pense au ministère des Finances, là, il y a une forme de continuité. Mais n'empêche que cet État, c'est une forme de plateforme sur laquelle viennent se greffer les relations de pouvoir, viennent se greffer des alliances, ou en fonction un parti politique va remporter typiquement une victoire aux élections législatives, et il va avoir pour réflexe de remplacer finalement les fonctionnaires présents. Il va entraîner avec lui toutes les conglomérats locaux qui lui sont liés, soit par des liens personnels, soit par des liens financiers, etc. Et donc on se rend compte que cet état rhizomatique, c'est finalement de prendre la structure bureaucratique comme ce sorte de centre, ce sorte de milieu à partir duquel vient se structurer l'ensemble du rhizome qui fait les relations de pouvoir en fait en Mongolie. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de formaliser ce concept d'état rhizomatique, puis pour essayer aussi de dépasser une approche un petit peu culturalisante, où on aurait tendance à dire bah, c'est parce qu'ils sont nomades qu'ils ont ce modèle politique. Il y a pas mal de travaux qui ont évoqué cet aspect-là. C'est pas pour autant pour le nier, mais faut pas le prendre comme un héritage culturel, mais plutôt comme une forme d'organisation sur le territoire, un mode de vie qui avec une grande dispersion, qui suppose une forte horizontalité, un fort besoin de coordination, une place prépondérante du consensus dans la prise de décision, qui est un point qui est extrêmement important quand on reprend tous les grandes décisions stratégiques prises par les autorités mongoles. On se rend compte que systématiquement, dans les moments de crise, dans les moments qui sont des moments qui comptent sur les grands projets d'investissement, etc., il y a un vrai attachement au consensus, à la négociation d'un compromis. On le voit même lorsqu'un parti politique occupe une écrasante majorité des sièges à l'Assemblée, il y a quand même une prise en compte du parti minoritaire, la volonté de créer des gouvernements de coalition dans les périodes de crise, etc.